Merci de nous rejoindre. Si c'est le cas, on accompagne votre matinée et vous en avez l'habitude régulièrement. Bob Garcia vient nous rejoindre pour nous donner des idées de lecture. Alors l'ami Bob nourrit un blog lui aussi. Lire des livres, ça tombe bien. Il est venu avec beaucoup de livres ce matin. On commence par Peur Bleue, c'est la première sélection, Bob. Ça fait longtemps que j'avais envie de vous parler de Patrice Vergès, parce que d'abord il est de la Nouvelle-Aquitaine, il est né à Mérignac. C'est un journaliste de voiture, spécialisé de voiture depuis 40 ans. Il vient d'écrire ce Peur Bleue aux éditions BJB, pardon, et il a combiné ses deux passions, à savoir les livres qu'il écrit sur la voiture et les livres, les thrillers. Il a écrit à peu près 6 livres sur la voiture, 6 thrillers, et là c'est la combinaison des deux, c'est passionnant. Il y en a un autre, je n'avais pas prévu d'en parler, mais comme je l'ai reçu entre-temps, et que c'est justement un des thrillers, cette fois au Vent Salé, donc on connaît bien cette édition aussi ici, ça s'appelle Sexa. C'était pas prévu ça, c'est en sus. C'est bon. Sexagénaire, bien entendu, et c'est l'histoire d'une dame qui a perdu son travail, qui se retrouve un petit peu embringuée dans une affaire policière invraisemblable. C'est un thriller qui vous tient en haleine pratiquement jusqu'aux dernières pages. Donc c'est... Il y a quand même marqué « Sylvie pousse les portes de l'enfer ». C'est un peu ça, c'est les portes de l'enfer, mais elle trouve, si vous voulez, elle achète une voiture dans le GPS de cette voiture, elle trouve ses propres coordonnées, une voiture d'occasion. Et ça commence, c'est à partir de cet élément-là. Voilà, c'est une super bonne idée de départ, et puis alors ça part en cacahuète, si j'ose dire. En cacahuète. De manière assez forte. Ce livre en Suisse part en cacahuète. Patrice Vergès, je l'ai rencontré au salon Rétromobile au début de l'année, et j'ai eu la chance donc d'avoir une petite interview pour le blog Lire des livres, et vous allez le retrouver. Et puis Vent Salé est une très très belle maison d'édition. Voilà, pour ce livre, même auteur que Peur Bleue. Peur Bleue. Deux pour le prix d'un.